Image difficile pour garder. Malheureusement, pied joué à casser sous place. C'est un coup. L'image pour casser. Bagay tellement red, Marcelo qui t'éterrait à glonage, monsieur Angueillé. Rapidement, il était obligé de venir. Urgence. Pour mener jouer à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On m'explique. Bonjour, bonsoir, Internet. Comment nuit? Dixième minute dans la deuxième mi-temps, c'était Argentinos Junior qui a joué avec Fluminense. Boule la tête de Marcelo. Marcelo a fait belle dribble. Dans le moment où Luciano Sanchez arrivait face à face avec Michel, Luciano tentait pour un boule là dans la même mission. Et c'est là, Marcelo malheureusement avançait trop et puis il a déposé pied sous pied Luciano qui la cause. Puis il jouait à casser sous place. Marcelo tellement saisi, c'est lui-même qui courait l'urgence parce que bagaille a dépassé. Dans le jeu de football, malheureusement, tout bagaille possible. Coup de pied, coup de pied, coup de tête, poussé, tout bagaille a fait. Malheureusement, toutes les fois, il y a un joueur qui connaît, perdit la vie, soudain. Bien cassé la position, ça n'a pas arrivé première fois. Ça arrivait plusieurs fois déjà, pour Kassa en 2019. Si par exemple, vous avez frappé Messi ou bien Cristiano Ronaldo, il peut paraître impossible de l'aider derrière. Mais les sous-terrain, un joueur qui voulait correspondre à l'autre joueur, bien facile, ça arrive. Mais dans le cas de Marcelo, c'est sûr et certain, monsieur m'a fait exprès. J'ai tellement crié, tellement pas qu'à consoler l'aile où est arrivé, et joué à vos diables. Imaginez au niveau douleur, comme ça, on est que t'as senti pour pied le casser dans le niveau ça. Ça qui veut, monsieur, c'est côté articulation en fait dans le genou. Zo a déplacé totalement là l'autre côté. Heureusement, c'est pas Zo pied qui a cassé. Ça, il tape extrêmement plus grave. Mais malgré ça, jusqu'à présent, monsieur, dans l'urgence, médecin, on peut pas une estimation combien de temps le café avant de retourner jouer encore si ça a bien repoussé. Marcelo Boja, Parano, tellement la pensée, à sacrifier, hein. Et tellement le senti quelque part, les coupables pour un bagaille que le pas fait exprès. En tout cas, sacrifier, hein, il boulet, extrêmement grave. Mais peut-être, c'est pas dernier qui arrive dans le football. Boja, Marcelo, qui n'est même pas même qu'à consoler, parce que le pavé, vous jouez à imaginer qu'il fait exprès. Haïti face à Danemark, sacrifié aujourd'hui, est extrêmement important pour nous pas oublier que mesdames haïtiennes ont réussi à marquer l'histoire. Le Haïti est qualifié pour la jouer Coupe du Monde en Australie. Nous tous avons un sentiment de fierté qui était envahi. Loi des Salines nous démontait. Nous sommes tellement contents de prêts pour nous porter mesdames dans la tête. Mais aujourd'hui, mal que ce n'est pas le résultat, ça nous donne. Mais nous ne pouvons pas oublier qui ça, mesdames, ça a réussi à réaliser. Ils ont réussi à marquer l'histoire seulement parce que ils ont été qualifiés pour Coupe du Monde ça et arrivent à jouer. Ça qui fait le match aujourd'hui n'a pas été facile pour une équipe éliminée sans pas de chance de marquer même le monde. Mais Haïti va pas loin. Ensemble, on a découvert qui ça a été le match. Bonjour, bonsoir Internet, comment allez-vous? Moi c'est Christelle Lollier, c'est un plaisir pour mes familles. Danemark, Haïti. Regardez comment les statistiques sont. De manière générale, la question de tir, pas de différence. 9 pour Danemark, 9 pour Haïti. Différence est de seulement un tir cadré. Danemark réussit à faire 6 tirs cadrés, pendant ce temps, Haïti réussit à faire seulement 2 tirs cadrés. La question possession de balle et passe, statistique est 63% pour Danemark, tandis que 37% seulement pour Haïti. La question passe, Danemark réussit à faire 453, tandis que Haïti fait 265. Et dans la précision de passe, 75% pour Danemark et 57% pour Haïti. La question faute, 11 pour Danemark, 4 pour Haïti. Carton jaune,
1 pour Danemark et 0 pour Haïti, pas bien 4 points. Composition, c'était 4-2-3-1 pour tous les deux équipes. Pour Haïti, Théus, Tenakin et Derilia lui-même, t'es devant avec Dumonet, Tedeyel. Mais malgré ça, ça va empêcher l'équipe là. 2 goals à 0 face à Danemark. Son nouvelle qui bouleversait mon pile parce que nous devons beaucoup plus que ça, mais nous sommes sûrs. Dans l'autre occasion, si nous avons chance de qualifier pour nous participer dans la Coupe du Monde, nous allons réussir à plus. C'est pas la fin du monde, nous perdons. Bataille ça, mais nous avons préparé nous pour l'autre occasion. Mais là, nous montrer nous en clair que malgré faible moyen que la Fédération a gagné, malgré tout scandale qu'on est déjà, qui a ravagé la Fédération haïtienne de football, mais ils ont réussi à faire un paquet de bagages. Et ça pouvait être tout, s'il y a plus d'accompagnement, s'il y a plus d'encouragement, s'il y a plus de travail qui fait au niveau football en Haïti, nous avons réussi à faire un paquet de bagages. Bravo mesdames et m'espérez, même fierté ça qui était envahi nous tous, le mesdames de qualifier, c'est même fierté ça qui a continué à rester dans nous pour nous accompagner, pour nous faire beaucoup plus de bagages toujours. Dans la prochaine occasion. Même nous en pile, mesdames, Haïti, fiers de nous. Nous pas réussi à aller loin dans la Coupe du Monde, là, mais je suis sûr et certain, volonté pour nous aller très loin, il n'y a pas de bugger. Et volonté, peuple haïtien, tout bout de ouais, nous arriver très loin dans la compétition, ça, était fort. Mais malheureusement, bagarre a passé, échange passé. Nous pas crier, nous pas pour la tête, mais plutôt, nous pour la travail. Prochaine occasion pour le café. Pour se réveiller, si possible, pour notre gamme. Haïtien dans la diaspora ak an Haïti bouleversé en pile dans 10 dernières années sa yo. Mauvaise nouvelle tout temps. Tantôt inondation, tremblement de terre, problème politique qui pote kidnapping, viol, vol, assassinat président, bois calé ak en pile l'autre encore. Problème sa yo mette en pile trouble mental la caille chaque grain haïtien. C'est peut-être ça United for the Restoration of Haiti Ministries invite communauté haïtienne dans la diaspora dans 3 journées conférence sous santé mentale cap fait dans pays États-Unis à Canada. Jeudi 17 août 2023, 5h 8h PM, dans Tropical Breeze Paradise, 1367 Utica Avenue, Brooklyn, New York. Dans même jour ça, URH et Chaponoré, Kesnel d'Orléans, qui c'est un jeune qui fait un pile show éducatif sur réseau social. Il va y participation volontaire, un pile l'autre activité pour aider moun. Dimanche 24 septembre 2023, 5h 8h PM, Haitian Culture Association, Belle Retrouvée, 7655 20e Avenue, Montréal, Canada. Samedi 14 octobre, dans Bright Mud Health Institute, 2790 N, University Drive, Hollywood, Florida, 33024. Objectif 3 jours conférence sur santé mentale là, c'est fait éducation famille. Et qu'on est qui importance santé mentale. Haïtien tout partout, poté collé. Poté collé dans 3 jours conférence sa yo, qui c'est 17 août 5h 8h dans Aswe, dans Brooklyn, New York, 24 septembre, 5h 8h dans Aswe, dans Montréal, Canada, et 14 octobre, 5h 30, 8h 30 dans Hollywood, Florida. Ka offri donation $30 and up. Plus c'est 347 204 1869 917 834 91 58.